C'est une activité qui demande de la patience, de la minutie et de la créativité. Ces qualités, les membres de la section patchwork de l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin en sont pourvus. À raison de 2 lundis et 1 vendredi par mois, elles se réunissent dans les locaux de l'association à Célestat pour partager leur passion et se donner des conseils. Alors on est souvent à plusieurs à se donner des conseils, savoir... J'ai vu que tout à l'heure, il y avait une dame qui avait amené des tissus japonais qui sont très jolis. Alors c'est aussi, chacune donne un peu son avis pour savoir comment les ajuster. Créer ensemble ou même faire des choses ensemble, c'est aussi plus passionnant que d'être dans son coin toute seule. L'idée d'ouvrir une section patchwork est venue à l'esprit de Charlotte et Marie-Thérèse en 1995, alors que cette technique de couture était très en vogue. Et c'était vraiment la grande mode du patchwork. Il y a eu des groupes un peu partout dans le département et ailleurs aussi. Ça s'est un peu tassé maintenant, mais enfin... Celles qui en font toujours encore. Hein. Il y a peut-être moins d'adeptes des nouvelles recrues, mais enfin celles qui ont fait du patchwork essayent quand même toujours de se perfectionner et d'apprendre autre chose. Aujourd'hui, la section patchwork de l'AGF Célestat compte 28 dames, actives ou retraitées. Et pour fêter ses 20 ans d'existence, les membres ont présenté leur réalisation lors d'une exposition à la salle Sainte-Barbe de Célestat. C'était la quatrième à la salle Sainte-Barbe. Mais on en a déjà fait à l'Évasion, on a déjà été invité à Sainte-Marie-aux-Mines justement au mois de septembre. On en a fait d'autres chez des particuliers. Mais là, c'était la quatrième à la salle Sainte-Barbe et c'était pour fêter nos 20 ans d'âge pratiquement. Cette exposition qui s'est déroulée sur 3 jours a rencontré un vif succès. Près de 1000 personnes sont venues découvrir les réalisations de la section patchwork de l'AGF de Célestat.